Les cyclomoteurs sont des véhicules qui, chez nous, par construction, sont limités soit à 25, soit à 45 km/h. Il en existe à quatre roues, ce sont ces fameuses petites voitures limitées à 45 km/h ou encore des quads, mais la plupart sont des engins à deux roues que leurs propriétaires ont parfois tendance à transformer, des transformations qui ne sont pas sans poser des problèmes de sécurité et de tranquillité publique. Les transformations illégales les plus courantes sont au niveau du pot d'échappement et du carburateur. Et on transforme le cyclomoteur, c'est pour augmenter la vitesse et la puissance du cyclo. C'est ce qu'on contrôle ici en fait, en premier. Tout à fait. On met le cyclomoteur sur le curvomètre et on regarde la vitesse à laquelle il circule. Vous roulez à combien avec ceci ? Plus que 30. Pas plus que 30 ? Non, 25-30. Oui, mais quand vous allez à fond avec, il ne va pas plus que du 30 ? Et on va le mettre là sur le curvomètre pour voir jusqu'à combien il peut... Ce que je sais bien, c'est qu'il est d'origine. Il est d'origine, ça va. Un cyclo qui est trafiqué avec un pot d'échappement autre, ce sont vraiment des nuisances sonores qui dérangent tout le monde. Quelles sont les conséquences d'un cyclo trafiqué, que ce soit en cas d'accident ou en cas de contrôle ? Mais au niveau conséquences, c'est que les assurances pourront se retourner contre le conducteur ou contre le civilement responsable si c'est un mineur, et ils pourront réclamer les dommages causés à la personne qui est responsable du cyclo. Et dans un contrôle ? Là, c'est le procès-verbal. Tout d'abord, il y a une immobilisation de 30 jours du cyclomoteur. Et ensuite, après les 30 jours, il y a un avertissement de 15 jours pour se remettre en ordre. Et puis, après, il y a un procès-verbal qui est rédigé pour les diverses infractions. Il n'y a pas que la vitesse. Au niveau de l'équipement, il y a aussi pas mal de fantaisie parfois. Tout à fait. L'équipement prioritaire, c'est le casque pour les cyclomoteurs. Maintenant, à partir du moment où il dépasse la vitesse, c'est considéré comme une motocyclette et il faut tout l'équipement de base légale, même pour rouler en cyclomoteur. Parlons du casque, parfois il est mis bizarrement aussi. Ah, parfois il est mis tout à fait au-dessus de la tête. Ce sont les cheveux qui tiennent le casque. Mais bon, il faut le fermer convenablement, notamment au niveau de la mentonnière. Mais le casque, c'est une amende qui est fixée, c'est 55 euros. Par contre, pour tout ce qui est transformation du cyclomoteur, c'est des amendes qui peuvent s'élever notamment à 2500 euros. L'âge minimum pour transporter un passager est de 18 ans. Et au niveau des assurances, des autres documents ? Ben, les documents qu'on contrôle sur un cyclomoteur, ben, c'est l'assurance. Là, on a quand même beaucoup d'infractions. Et alors, au niveau permis de conduire, il faut savoir pour les cyclomoteurs classe A, il ne faut pas de permis, mais pour les classes B, il faut un permis AM. Le cyclomoteur est souvent le premier véhicule à moteur de nombreuses personnes, de jeunes en particulier. Ces derniers ne se rendent pas toujours bien compte que conduire un véhicule à moteur est une grande responsabilité accompagnée de davantage de devoirs que de droits. Quand ces devoirs ne sont pas respectés, les conséquences financières ou juridiques peuvent être très lourdes pour le jeune conducteur ou ses parents. À la question de la semaine dernière, il fallait répondre que la vitesse maximale autorisée sur un dispositif surélevé est 30 km/h. A gagné cette semaine un appareil photo numérique à double écran. La question ? En cas de panne hors autoroute, l'automobiliste place si possible son triangle de danger à 30, 50 ou 100 mètres. Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 6020 en tapant contact 1, 2 ou 3. Ces signaux annoncent que vous approchez d'un dispositif surélevé, autrement dit d'un ralentisseur. Le code précise qu'un ralentisseur doit être abordé en redoublant de prudence et la vitesse maximale autorisée sur un tel dispositif est de 30 km/h. Il est important de savoir que le dépassement est interdit, il n'est pas non plus autorisé de s'y arrêter ou d'y stationner. Attention que les ralentisseurs ne seront pas nécessairement annoncés dans une zone 30, c'est une raison de plus pour lever le pied près des abords d'école. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route !